Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire la présentation d'un livre. Un livre que j'ai reçu de mon ami Alcide Nathanaël, qui a donc, ben, vous le connaissez tous, hein, qui a fait le magnifique Les cartes divinatoires d'Algariel que j'aime d'amour. Je suppose que hein, tout le monde le connaît maintenant, hein, ces magnifiques illustrations. Voilà, une de mes cartes préférées. Voilà, bon, je pense que tout le monde le connaît, ce jeu est magnifique. Voilà, chez Arcana Sacra, le dos. Moi, j'ai la première version dans une boîte en carton que mon fils m'a piquée. Et j'ai aussi bah, celle dans la boîte cloche. Moi, j'aime bien parce qu'elle est solide et les cartes sont bien à l'abri dedans. Il a aussi fait l'oracle de Mercure que je n'ai pas et qui est en rupture de stock apparemment pour le moment. Donc, il faudra que je saute une fois dessus, une fois qu'il sera réédité, parce que je pense qu'il le sera. Et alors, il a fait aussi le magnifique oracle des sages que j'aime, mais d'amour. Je vais vite vous le montrer. Je crois que j'en ai fait une présentation d'ailleurs. Les cartes sont ici. Je les adore. Voilà. Elles sont mates, le toucher est super agréable. Et elles sont magnifiques, vraiment. Voilà, je vous montre vite fait. Tournesol. Voilà, moi c'est un jeu que j'adore. Le dos est comme ceci. Et je vais vous montrer juste 2 secondes le livre. Hop, le livre qui est énorme. Regardez-moi ça, 300 pages et on a plein d'associations par carte. Enfin, il est vraiment super. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai encore utilisé hier, d'ailleurs. Voilà. Comme ça, je vous ai montré les jeux d'Alcide si vous ne les connaissez pas encore. Donc, il a eu la super idée de faire un livre sur comment créer son jeu divinatoire de A à Z. Moi, je vous avoue que parfois, on me demande si je n'ai pas envie de créer mon oracle, vu que j'en collectionne plein. Et je me dis toujours, oh, mais ça me paraît tellement compliqué. À qui il faut s'adresser, les démarches, comment, quel programme on utilise justement pour mettre les cartes au format tarot ou au format oracle, etc. etc. Et lui, il a eu l'idée de créer un livre justement de A à Z. Et vous allez voir, il est super bien fait. Pour vous accompagner justement si vous avez envie de créer votre jeu. Il y en a de plus en plus qui créent des jeux justement et franchement c'est super génial. Donc quand il m'a proposé de me l'envoyer pour vous le présenter, j'étais trop contente. Enfin, de toute façon, je crois que j'aurais craqué, je l'aurais acheté de toute façon. Alors, il est édité chez Très Daniel et il est au petit prix 12,90€. Donc franchement, il n'y a vraiment pas de quoi se priver. Alors, on va lire ensemble ce que ça nous dit. Comment concevoir un jeu divinatoire? Quel support doit être utilisé? Que faut-il faire pour garder une cohérence tant dans le graphisme que dans l'esprit du jeu? Oui, ça c'est quand même important d'essayer d'avoir une cohérence justement quand on crée un jeu. Parce que c'est vrai qu'il y a parfois des jeux, je pense à ceux par exemple Tarot des 78 où il y a 78 auteurs différents avec chacun une patte différente, des dessins, un style différent. Et il y a pas mal de personnes qui ont du mal à accrocher justement quand il y a trop de différences dans les graphismes. Bon, pas tout le monde, mais voilà. Fort de ses connaissances dans la divination et de son expérience de création d'oracle, Alcide Nathanaël vous propose un ouvrage simple et complet qui répondra à toutes vos questions et vous donnera les conseils nécessaires à la conception de votre oracle, mais aussi toutes les erreurs à éviter afin de vous accompagner au mieux de la création jusqu'à l'édition de votre projet. Vous serez guidé étape par étape et découvrirez ainsi les bases de cet art divinatoire et les différents types de jeux, du traditionnel tarot de Marseille aux oracles contemporains, les différentes techniques de création, que vous sachiez dessiner ou non. Donc pour moi, tout n'est pas perdu. Moi qui dessine comme un enfant de 3 ans, très très mal, tout n'est pas perdu. Toutes les clés pour réussir la mise en page de votre oracle. Donc ça, c'est ce que je disais. Moi, c'est une partie qui m'intéresse vraiment par curiosité aussi. Comment faire éditer votre jeu afin de lui donner vie, ça c'est chouette aussi. Et 48 cartes détachables en fin d'ouvrage pour vous aider à passer à l'action.
Laissez-vous tenter par cet art subtil, donnez naissance à vos ressentis et allez enfin véritablement et efficacement à la rencontre de vous-même. Voilà. Et alors, pour la petite présentation d'Alcide, il pratique la voyance depuis plus de 10 ans. Cette capacité, développée dès l'enfance, s'inscrit dans un héritage spirituel et familial. Il ne cesse de proposer au plus grand nombre des oracles uniques, porteurs de puissance évocatrice, élaborés dans l'esprit le plus respectueux des traditions divinatoires. C'est vrai qu'honnêtement, ces deux jeux-là ont une énergie incroyable. Vraiment. Alors, du coup, on va découvrir le livre ensemble. Bon, j'avais un petit mot qu'Alcide m'avait mis avec. Ne t'inquiète pas pour les chocolats. Je veux bien croire que s'ils auraient fondu, ça aurait été un assassinat pour le livre. J'imagine j'aurais ouvert et j'aurais eu du chocolat fondu dans tout le livre. J'aurais eu du mal à le présenter du coup. Mais je sais que le cœur y était. Donc voilà. Alors, on a un sommaire. Et c'est super beau. Regardez l'illustration. Super jolie. Alors, une introduction, les règles de l'art, et puis on a combien de chapitres? 6 chapitres. Le premier avec les bases, et ça c'est très chouette aussi parce qu'il va nous expliquer les différents types de jeux. Et puis c'est toujours chouette de le relire en fonction du type de jeu que vous avez peut-être envie de créer. Il va nous parler du tarot de Marseille, du Rider-Waite, du Le Normand, de la cartomancie, donc là c'est plus les jeux de cartes à jouer, hein, poker, des oracles, des autres types de cartes, des runes et de la lithomancie. Donc vous allez lire ça et vous allez vous diriger plutôt vers un... Vous allez vous dire, oh j'ai plutôt envie de faire un tarot ou un oracle, un Le Normand, etc. Alors on a un tableau de correspondance des arcanes pour le tarot de Marseille, le petit Le Normand et la cartomancie. Des mémos pratiques pour les runes, ça c'est super chouette. Franchement, même pour ceux qui apprennent les runes, c'est très chouette. La composition et la structure de votre jeu. Là, il va nous parler d'un Béline, de l'oracle G, des cartes d'Algariel qui sont juste ici. L'oracle de Mercure, l'oracle des sages qui lui est juste là du coup. Et les différentes structures et leur répartition. Dans le deuxième chapitre, là, il va nous parler vraiment des thématiques et des univers. Ça, je trouve ça très chouette aussi. Si vous hésitez entre plusieurs domaines ou si vous n'avez pas vraiment d'idée quel type de domaine vous voulez faire, ben là, il va vous en donner plein. Il va nous parler de mythologie, divinité gréco-romaine, gréco-égyptienne majeure, les créatures fantastiques, j'adore, les végétaux, les minéraux, les animaux et les insectes, le sport et les performances, pourquoi pas, le Moyen-Âge, les rêves, la psychologie, l'alchimie, l'hermétisme, les couleurs, les symboles, le paganisme ou les anges et les démons. Bon, évidemment, il y en a bien d'autres, mais c'est déjà pas mal, quoi. Alors ensuite, les différents domaines d'interprétation. Là, ce sera pour le général, amour relationnel, professionnel, travail, spiritualité, spiritisme, religion, la foi, la politique, le sport. Ça, c'est vrai qu'on voit moins souvent dans les oracles. Hein. La personnalité, la psychologie, les vies intérieures, la médecine et la santé. Dans le troisième chapitre, les techniques et le matériel. Là, les supports, outils et techniques. Là, il va nous parler, par exemple, la peinture à l'acrylique, l'aquarelle et les encres, le pastel, dessin, papier, le fusain, le collage digital, la photomanipulation et le dessin digital. Donc, vous voyez, si comme moi, vous dessinez comme un manche à balai, j'ai envie de dire, il va nous parler de tout ce qui est aussi via informatique. Qui pourrait nous sauver la vie à nous qui ne savons pas dessiner. Alors, en chapitre 4, les programmes et mises en page. Ça m'intéresse aussi, je vous avouerai, les logiciels. Mise en page, retouche et montage, traitement de texte. Bon, là, il y a aussi Photoshop, etc. Faire une mise en page, format impératif, l'encadrement, les erreurs à éviter, le décentrage, la qualité de l'image et les mots-clés. Oui, ça, c'est vraiment la mise en page, du coup. Alors ensuite, il va nous parler du tarotage. Ensuite, en chapitre 5, édition, auto-édition et impression. Là, c'est à vous de voir si vous voulez essayer de vous faire éditer par une maison d'édition ou si vous voulez l'auto-éditer vous-même de A à Z et là, tout faire vous-même. Alors, la choix de la publication, auto-édition, édition, ce que je viens de vous dire. Les différents types de contrats, contrat à compte d'éditeur ou d'auteur. Présenter son projet aux éditeurs, les contrats, les clauses, vos droits. Ça, c'est bien de le dire parce que parfois, peut-être les débutants ou comme moi qui n'y connaissent absolument rien pourraient se faire rouler là-dedans.
Voilà, donc c'est chouette de le dire. Impression. Et en chapitre 6, ça c'est chouette aussi, il a incorporé deux portraits d'artistes que l'on connaît très bien. Hein. Déjà, il y a Célia Mellesville, qui n'est plus à présenter, hein, qui a fait les tarots Lily White et Lily Black, le tarot Renard, le bout tarot qui arrive bientôt. Et alors, Gérard Barbier, qui a fait l'oracle G. Et il en a fait un autre tout récemment aussi. Et j'avoue que je craquerais bien aussi, d'ailleurs. Et alors, conclusion et remerciement, et à propos de l'auteur. Voilà, donc on a une introduction, on va le regarder vite fait ensemble. Règle de l'art, j'adore avec les petits dessins. Voilà, alors ici on a le chapitre 1 avec les bases du coup, où il va nous parler des différents types de jeux. Donc je vous ai dit, hein, le Marseille, le Rider-Waite, le Normand. Il nous explique en bref, hein, comme ça... Vous pouvez choisir en fonction du type de jeu que vous voulez créer. Du coup, le tableau de correspondance des arcanes ici. Voilà, ça c'est très chouette aussi du coup. Par exemple ici, on parle du tarot de Marseille. Hein, et on a la correspondance entre le Marseille et le Rider-Waite. Par exemple, on verra ici hein, que la force, la justice est en 8 dans le Marseille. Et ici, on a la force et... inversement pour en 11 du coup. Et on a aussi les correspondances en cartomancie. Ici par exemple l'as de bâton va correspondre à l'as de carreau. Ça c'est chouette aussi, franchement c'est bien le truc que je connais pas par cœur. Alors ici on a les correspondances en petit le normand. Ça c'est très chouette aussi en cartomancie parce qu'on les retrouve souvent sur les cartes, mais il y a des jeux aussi qui ne l'ont pas toujours. Donc c'est chouette d'avoir un tableau récapitulatif, franchement. Limite, je l'imprimerai bien le tableau pour mettre dans mon grimoire, tellement ils sont bien faits. Alors, ici, on a les lames bah, du coup de cartomancie, avec en plus les significations ici. Par exemple, le 3 correspond à la dame de carreau et c'est une aide amicale. Voilà, et on a tout ça bah, pour toutes les 32 cartes, du coup. Ici, comme je vous disais, on a le mémo pratique des runes. Je trouve ça très chouette aussi. On a bah, la rune, son nom et sa signification. Je trouve ça très chouette comme résumé aussi. Et du coup, on a la rune dessinée. Hein. Alors, la composition et la structure du jeu. On va nous parler du Béline ici. De l'oracle G. Des cartes d'Algariel. De l'oracle de Mercure. Et l'oracle des sages. Alors ici, les différentes structures et leur répartition. Par exemple, 42 cartes. On aura 14 cartes neutres. 14 positives. 14 négatives, etc. Pour essayer de garder une balance de positif et de négatif et de neutre hein, dans un jeu. Parce qu'il ne peut pas y avoir que du positif, malheureusement. Alors ici, le chapitre 2 avec les thématiques et les univers. Bah là, c'est tous les univers que je vous ai dit, hein, mythologie. Ici, on va avoir une liste de quelques divinités gréco-romaines. Par exemple ici Apollon, nom grec Apollon ou Aphrodite par exemple. On va prendre Aphrodite, correspond aux Romains à Vénus. Et alors ça nous dit que c'est la déesse de l'amour, des plaisirs et de la beauté. Et ici on en retrouve déjà quand même quelques-uns. Hein. Regardez-moi ça. Bon, je dis peut-être pas tous, mais déjà pas mal quand même. Voilà. Ici les gréco-égyptiennes majeures. Pareil, hein, par exemple, Hathor correspond à Aphrodite chez les Grecs. Même chose, déesse de l'amour. Alors, les créatures fantastiques, les végétaux. Là, c'est vraiment pour vous donner des idées de thèmes. Les minéraux, animaux, insectes, sport, performance, Moyen-Âge, rêve, psychologie, alchimie, les couleurs, les symboles, le paganisme et anges et démons. Alors, les différents domaines d'interprétation, ben là, c'est quand on tire hein, le général, amour, professionnel, travail, spiritisme, religion, politique, sport. Ça, je vous ai dit, on voit déjà un peu moins. Si vous faites un livret, par exemple, vous pouvez mettre travail, personnalité, etc., etc. Technique et matériel. Ici, on a les supports et les outils techniques, hein, ce que vous allez employer. Par exemple, la peinture à l'acrylique, voilà. Et alors ici, il nous donne ses conseils et des exemples. Par exemple, dans l'oracle des sages, est réalisé principalement avec cette technique. Ainsi que l'oracle indigo de Joël Agoulon, P.
Cueto. Eh ben, en plus, je trouve les cartes magnifiques, moi, de l'oracle des sages. Bon, on a la même chose pour l'aquarelle, le pastel. C'est bien d'avoir ces conseils en plus, comme ça. Le dessin papier, le fusain, le collage, photomanipulation et dessin digital. Les programmes et les mises en page. Donc là, on va nous parler un petit peu des logiciels, mise en page. Ici, on va nous parler, par exemple, de Adobe InDesign. Retouche et montage. Il va nous parler ici, oui, des formats, par exemple. Ici, une alternative gratuite à Photoshop, voilà, par exemple. Ah, mais ça, c'est chouette pour une fois tester. Avant de se lancer aussi, voilà, pourquoi pas. Traitement de texte, faire une mise en page, les formats, les impératifs. Hein. L'encadrement, voilà, si vous voulez mettre une bordure ou pas. Ou faire en, sans bordure en pleine page. Tout dépend de l'effet recherché. Les erreurs à éviter, le décentrage. Ouais. Ouais, vous voyez ici l'image, par exemple, elle est plus décalée. Moi, c'est un truc qui me perturbe, ça. Une fois qu'une bordure est plus grande d'un côté que de l'autre, par exemple, ou si l'image va être décentrée, c'est quelque chose qui va me... Je vais le voir directement et je ne verrai plus que ça, en fait. Voilà. La qualité de l'image, du coup. Les mots-clés. Le tarotage. Et le chapitre 5, ben là, c'est voir si vous voulez le faire éditer ou l'auto-éditer vous-même et l'impression. Choix de publication. Bon, ici, il va nous expliquer un petit peu la différence entre auto-édition et édition. Les différents types de contrats, ça, c'est ce que je vous disais. C'est important de le savoir pour ne pas vous faire avoir. Contrat d'éditeur, d'auteur. Présenter son projet aux éditeurs. Les contrats, les clauses, vos droits. Impression, portrait d'artiste. Là, ben, on va nous parler de, ben, comme je vous ai dit, de Célia. Ici, est-ce qu'elle peut se présenter? Alors, il lui a posé des questions, voilà. Et la même chose pour Gérard Barbier, pareil. Voilà. Très, très chouette. Et alors, une conclusion et des remerciements. Voilà, c'est franchement, et ici on a une petite photo d'Alcide et une petite note le concernant. Et ici on a les fameuses cartes détachables, si vous voulez bah, justement essayer de tester. Il y en a 44, c'est ça qui est dit, hein, 44, 48, si vous voulez essayer bah, de dessiner ou de faire des collages. Voilà. Super, franchement, je pense qu'il va pouvoir en aider plus d'un. Et en plus, il y a de plus en plus de personnes qui sortent leur propre jeu, souvent des pépites aussi, parce qu'il y a des gens qui ont vraiment de l'or dans les mains. Et c'est dommage parce qu'il y en a qui ont peut-être des projets en tête et qui n'osent pas, parce qu'ils ne connaissent pas les démarches, les techniques, qui sont peut-être perdus aussi niveau informatique, ou qui peut-être qu'ils ont déjà créé leur jeu aussi, mais qui ne savent pas comment faire... pour l'auto-éditer ou chercher une maison d'édition. Et là, vous avez vraiment toutes les réponses. Et pour 12 euros, j'ai envie de dire, on ne va pas se priver, quoi. Donc franchement, Alcide a eu vraiment une chouette idée de partager son savoir, vu que lui, il en a déjà créé plusieurs, hein, avec nous, et de pouvoir, ben, du coup, donner peut-être la chance à d'autres de créer leur propre jeu. Voilà, je trouve ça super. Voilà, ben, dites-moi en commentaire, du coup, pourquoi pas, si vous avez envie de créer votre jeu, si vous avez craqué pour son livre, ou si vous, du coup, vous avez envie de l'acheter pour vous lancer dans votre création de jeu, ou tout simplement par curiosité, parce que vous avez envie de savoir comment on fait. Voilà, ben dites-moi tout ça en commentaire, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Encore un tout grand merci à Alcide ben pour ton livre, moi je le trouve super, franchement il est très très bien fait, très bien expliqué et pas trop compliqué en plus, donc franchement c'est génial. Voilà, ben je vous fais plein de gros bisous à tous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.